Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Donc aujourd'hui sur ma chaîne, je vais parler, sur cette vidéo, je vais parler je vais parler du produit Faded Topical Cream. Donc c'est ce produit-ci. C'est ce produit Faded. Attendez, il faut que je le mette tout droit. Donc, Faded. Alors, cette crème-ci est une crème topicale qui a été créée par une Africaine nigérienne, si je ne me trompe pas, qui est aux États-Unis. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé pour ce produit. Elle a très bien travaillé pour ce produit. Alors, ce produit, c'est très compliqué à l'avoir en Europe ou en Afrique, mais aux États-Unis, Canada, c'est très, très facile. Je pense que sur leur site, vous pouvez commander hein, pour le recevoir en Angleterre ou en Europe. Alors le problème avec ce produit, c'est qu'il coûte assez cher pour ce que c'est. Il coûte cher, voilà, il coûte cher. Je me rappelle plus, je l'ai acheté combien. Je l'ai acheté quand je suis partie aux États-Unis. Cette année, j'en ai acheté deux. Donc ça, c'est le deuxième tube. Et c'est pour ça que je viens faire une revue pour ce produit parce que c'est un produit très efficace que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. Alors, ce produit Faded est l'un des plus populaires et c'est le best-seller. Ils ont, je pense, quatre autres produits, mais c'est celui-ci le plus populaire. Et c'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci. Alors, je vais juste vous dire ce que la marque promet. Si j'arrive à lire, donc ce produit, cette crème, ce tube va estomper toutes les taches brunes, les cicatrices brunes et les petits points, les petits boutons en fait. Oui, et c'est vraiment un produit qui est adapté pour ce genre de problème, les taches, l'hyperpigmentation et les coups de soleil aussi, les taches de soleil, excusez-moi. Donc ça va équilibrer, ça va lisser le grain de la peau et ça va éclaircir. C'est vrai que ça travaille sur les taches, donc on va dire ça. Et c'est recommandé à utiliser une seule fois par semaine au début quand vous l'avez. Mais sincèrement, moi j'ai utilisé quatre fois par semaine. Et c'est recommandé aussi de bien se protéger. Donc utiliser une crème solaire après avoir l'utilisé, bien sûr. Ce que j'adore dans ce produit, c'est que vous avez des ingrédients très très efficaces, très effectifs. Et quand j'avais lu, la première fois que j'ai lu les ingrédients qu'il y avait dans ce produit là, j'étais choquée. Et c'est pour ça en fait que ça travaille super bien. Donc vous avez bien sûr de l'eau en premier, il y a écrit ça. Vous avez de l'acide niacinamide, vous avez du vous avez de l'acide, du beurre de karité, vous avez de l'huile de jojoba, vous avez de l'alpha-arbutin, vous avez du kojic acide, vous avez du glutathione, il y a du turmeric, beurre de turmeric, il y a de l'azélaïque, l'acide l'azélaïque, il y a aussi de, je pense que c'est des essentiels de l'eau de riz ou du riz, quelque chose comme ça, des extraits en fait. Vous avez du squalène. Vous retrouvez aussi quel autre, du zinc qui est très bien contre les boutons. Et puis je pense que c'est tout. Hein. Voilà les actifs, les ingrédients les plus efficaces. Donc dans ce produit-là, vous avez tout ça. Et j'étais juste choquée. Ce produit, je l'utilise 3 à 4 fois par semaine et je l'utilise avec mon sérum vitamine C et l'hyaluronique acide, donc celui-ci de la marque Provence Beauty que vous retrouvez à TK Maxx. Et puis ensuite je mets mon émulsion sérum émulsion réparatrice, celui-ci de la marque Black Snail. Donc c'est un sérum à base de bave d'escargot noir que j'ai retrouvé aussi à TK Maxx aux États-Unis, donc j'en avais pris deux. Et il marche super bien pour lisser le grain de la peau, tout ça. Donc, et après, j'utilise ça. Et ce produit-là, il hydrate très, très bien la peau. Il vous laisse avec un fini assez glowy, en fait. Un peu
pas trop huileux, mais hydraté. Donc, ce qui est très, très bien. Par contre, il faut faire très, très, très attention parce que ce qui est déconseillé, de le mélanger avec d'autres produits acides, en fait, comme... Attendez, je suis en train de chercher ce que je l'avais écrit là quelque part. Donc, c'est recommandé de ne pas utiliser avec ce produit-là tout acide exfoliant AHA, BHA, rétinol, différine et trétinoïde, benzoylperoxyde et des produits aussi contre le bouton. C'est déconseillé. Donc, ce que je fais, donc comme je vous l'ai dit, j'utilise 3 fois ou 4 fois par semaine et les autres jours, j'utilise mes produits à base de rétinol. Donc, je fais ça comme ça. Donc, il faut faire très attention quand vous l'achetez. Allez regarder vos produits et voilà, faites attention, lisez bien tout ce qui est ingrédients et vous séparez vraiment. Voilà, ça, je sais que j'ai utilisé, aujourd'hui, j'ai utilisé ça, ce soir, je vais utiliser ça, je ne vais pas mélanger avec ça. Voilà, il faut faire très, très attention. Ce produit, pour moi, c'est une tuerie, ça me va super bien. J'ai une peau sensible, aucune réaction. J'utilise sur le visage, oreille et le cou. Voilà, quoi d'autre à dire? Le petit bémol, il coûte cher et on ne peut pas vraiment l'avoir ici. Donc, je mets juste une petite noisette. Petite noisette parce que je suis en train de voilà, j'ai pas envie que ça finisse, mais bon, après si je prends de l'argent, je pense que je vais recommander tout ça parce que c'est ma crème en fait. Je pense que je vais rester sur ça parce que ma routine, parce que maintenant ma routine de soins, j'aime les résultats que j'obtiens, donc je pense que je vais rester sur ça tant que je peux le commander ou l'avoir en fait. Donc je vais rester sur ça. Après, quoi d'autre dire? Donc, ce qui est conseillé, en fait, comment l'appliquer? C'est appliquer une petite noisette, vraiment, sur un visage propre, un visage sec. Et après aussi, vous pouvez aussi vous hydrater encore la peau, utiliser un autre produit par-dessus. Moi, j'utilise pas forcément parce que ça m'hydrate bien la peau, mais quelques fois, j'utilise mon huile à base de vitamine E. Donc voilà, j'utilise ça par-dessus et voilà, ça fait le travail. Et après, on vous dit de bien masser, bien faire pénétrer pour que le produit s'absorbe bien. Et comme je vous l'ai dit aussi au début, ils ont conseillé quand vous l'achetez en fait pour la première fois, utilisez-le qu'une fois par semaine et après vous commencez à augmenter graduellement. Mais moi, la première semaine, j'ai utilisé 3 fois ou 4 fois, je ne me rappelle plus. Et voilà, ça a bien fonctionné, aucune réaction. Donc voilà, c'est ma revue pour ce produit. Voilà, pour ce produit Faded Topical Cream. Donc ça a vraiment bien estomper quelques tâches que j'ai, ça travaille super bien. Aussi, bon, je pense que ça travaille bien parce que je suis en train de le combiner avec d'autres produits qui sont très très efficaces. Donc je suis vraiment conquise pour le résultat que moi j'ai avec ces produits et avec ce que je fais en fait par rapport à ma routine soin du visage. Voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à me mettre un pouce vers le haut. Voilà, cela me ferait très très plaisir. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Bye bye.